Ah, pardon, vous étiez là. Je vous avais pas vu. Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette courte vidéo. Promis, elle ne durera pas 1h30, donc c'est pour ça que je vais éviter un maximum de blabla afin d'optimiser cette vidéo pour que tout soit le plus clair possible pour vous. Puisque malgré mes explications très souvent très claires, on me pose quand même la question. Donc... Comme vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, je vais donc vous annoncer officiellement la reprise de Radio Œil. Alors pour tous les nouveaux qui ont débarqué sur la chaîne entre temps, hein, parce que Radio Œil c'était à mes débuts, et entre temps vous vous êtes démultipliés exponentiellement. Donc à tous déjà, je vous souhaite la bienvenue pour tous ceux qui sont les nouveaux sur la chaîne et je vais donc vous expliquer le concept de Radio Œil puisque vous verrez, il y aura deux services différents de Radio Œil. Il y aura le Radio Œil pour ceux qui sont juste abonnés à la chaîne et il y aura le Radio Œil à ceux qui ont souscrit à la chaîne. Alors, en tout premier lieu, Radio Œil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je me suis dit que c'est un service que j'avais déjà mis en place à mes débuts. Et c'était un service qui vous plaisait beaucoup parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément les moyens de se payer une consultation. Même si j'essaye de pratiquer des tarifs qui sont abordables. Mais le problème, c'est que c'est compliqué quand on pratique des consultations parce que... On voudrait faire moins cher pour faire plaisir aux autres, mais le problème c'est qu'on a les copains derrière qui eux ont leurs tarifs aussi. Et du coup, si vous pratiquez moins cher, bah, vous faites taper sur les doigts par les copains parce que du coup vous faites de la concurrence déloyale, hein, et puis vous piquez du coup la clientèle. Donc c'est compliqué de trouver le juste prix, hein. Voilà, bon, malgré ça, j'essaye à peu près de trouver des prix qui soient corrects, hein, parce que moi je vous l'ai déjà expliqué que ce que je facture, et ça j'ai eu beaucoup de mal avec l'aspect de facturation, je facture pas mes capacités mais je facture le temps qui est consacré, hein, et l'énergie qui est donnée, parce que bah, pendant que je fais une consultation je peux pas faire de vidéo, je peux pas faire d'autres choses à côté, donc c'est ce temps là en fait moi que je facture, voilà. Donc, Radio Œil, c'est une façon simple pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une consultation complète pour répondre à une question de façon rapide, de façon simple, de façon claire. Voilà. Donc, Radio Œil aura lieu... Alors, on verra, je me suis pas encore décidé sur quel jour, parce que j'hésite en fait sur le week-end, soit le samedi soir, soit le dimanche soir, voilà, j'hésite entre les deux. Mais comme le dimanche soir, il y a la vidéo des énergies de début de semaine, je pense qu'on va se faire ça tranquillou le samedi soir. C'est, je pense, ce qui conviendra le plus à tout le monde parce que la semaine, beaucoup d'entre vous travaillent. Alors, je sais qu'il y en a aussi qui bossent le week-end. Hein, mais je suis désolé, les amis, c'est compliqué hein, de s'adapter à tout le monde. Donc, comme la majorité, on va dire, travaille la semaine et arrive à avoir son samedi soir, je me suis dit que samedi soir, ce serait le jour le mieux, le plus mieux bien qui pourrait arranger le plus de monde. Sachant que en plus, ce ne sera pas un live, mais une vidéo qui sera disponible sur la chaîne. Donc, même si vous travaillez, que vous ne pouvez pas voir la vidéo à ce moment-là, vous pourrez toujours la re-regarder le lendemain, le surlendemain, etc., etc. D'accord ? Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire que c'est pas tant dérangeant que ça, ok? Donc, on va partir sur le samedi soir. Et pour l'heure, je pense qu'à partir de 19h, 20h, vous aurez la vidéo sur la chaîne. Alors, comment ça va fonctionner? Tout d'abord, je vous ai créé une adresse mail qui est uniquement dédiée à ça. C'est-à-dire que je vous avertis.
Déjà que mon adresse mail principale, vous savez, œildansnoir@gmail.com en ce moment est en mode saturation absolue de mails. Donc cette adresse mail que vous trouverez en bas dans la barre d'infos et que je vais vous mettre là même aussi sur la vidéo qui est en train de clignoter, qui s'appelle tout sobrement radioeuil.question@gmail.com. Cette adresse mail est uniquement réservée à l'usage de Radio Œil. Donc ne venez pas m'envoyer des mails en parlant de je ne sais quoi ou de trucs qui n'auraient aucun rapport, parce que très concrètement, vous n'aurez aucune réponse. Vous êtes avertis, hein. Donc venez pas me taper une esclandre, parce que vous êtes avertis, je ne donnerai pas de suite. Et pire encore, je serai obligé de supprimer le mail. Pourquoi ? Parce que cette adresse mail est vraiment réservée et uniquement dédiée aux questions pour à Radio Œil. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez une question en tête, peu importe la question et le domaine, hein, que ce soit du sentimental, du professionnel, du personnel, du spirituel, de n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, peu importe votre question, vous m'envoyez tout simplement votre mail, vous me dites le sujet de votre question. Si possible, comme ça sera une vidéo, ne me donnez pas des informations trop personnelles, hein, votre nom de famille, etc., etc. Choisissez par exemple un pseudo, comme ça déjà vous êtes sûr de vous reconnaître. Parce que imaginons que j'ai 3 Martines qui me contactent et que du coup je doive répondre à 3 questions de 3 Martines différentes. Lorsque je ferai la vidéo, quelle Martine vous serez, d'accord ? Comment vous allez savoir que la Martine dont je suis en train de parler, c'est vous ? Hein, donc à la rigueur, choisissez mieux un pseudo qui sera plus clair et vous serez sûr au moins que la question, la réponse que je suis en train de donner, c'est bien pour votre question, ok ? Si vous voulez me donner votre prénom, vous me donnez votre prénom, mais je vous avertis, comme je vous le dis, vous êtes 7000 sur la chaîne, je pense que beaucoup d'entre vous partagent les mêmes prénoms, peut-être même les mêmes noms de famille, donc si la coïncidence fait que j'ai 15 fois le même prénom dans une même vidéo, ça va être compliqué d'identifier qui est qui, d'accord ? Donc choisissez un pseudo, ça sera je pense le plus simple. Donc vous m'envoyez un mail avec votre pseudo, avec le sujet de votre question, et bien sûr, je vous mets aussi le lien pour PayPal pour régler la question qui est de 3€. Attention, je fais ça quand même proprement, c'est-à-dire que même si votre question est par oui ou par non, je vais pas vous l'expédier en jetant 2 cartes. C'est oui. Allez, suivant. Non. Non, parce que franchement, ça fait cher quand même 3€ pour juste un mot, quoi, pour juste dire oui ou non. Ça fait quand même cher. Donc non, je prendrai quand même le temps d'expliquer un petit peu. Et en fonction des sujets de question, sachez que je classerai la vidéo par domaine. Comme ça, déjà, ce sera plus simple pour vous. Je vous mettrai en description dans la timeline les domaines abordés. Donc si par exemple j'ai 5 questions sur le domaine sentimental, eh bien je vous mettrai en timeline sujet sentimental et je répondrai aux 5 questions sentimentales. Si j'ai 3 questions professionnelles, eh bien dans une autre timeline, je vous mettrai le domaine professionnel. Comme ça déjà rien que pour vous, c'est facile à identifier. Vous savez la question que vous m'avez posée, donc vous n'êtes pas obligé de regarder toute la vidéo. Vous allez directement vous rendre sur la timeline qui correspond au domaine sélectionner, d'accord ? Déjà, moi aussi, ce sera plus simple, parce que après, ça va être un fourre-tout. Si je prends la première question, c'est sentimental, puis après professionnel, puis après machin. Donc non, on va essayer de faire ça de façon organisée, quelque chose qui soit assez pro, qui... hein, pas comme d'habitude. Donc tout sera classé par domaine. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, donc comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo d'hier, je sélectionnerai, je vais, je pense, sélectionner 20 à 25 questions pour d'une part faire une vidéo qui ne soit pas trop longue. D'autre part, pour éviter de me bouffer l'énergie, parce que ceux qui sont dans le domaine, vous savez à quel point c'est véritablement épuisant de faire des consultations. Donc concrètement, je vais pas faire une vidéo où je vais répondre à 80 questions d'un coup. Ça, c'est franchement pas possible, j'en aurais pas la force. Vraiment, j'en aurais pas la force. Donc, je vais me limiter à 20-25 questions. Et ce que je fais, donc je sélectionne les 20-25 premiers mails que je reçois. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, d'accord ? Mais attention, il y aura aussi des conditions, parce que là aussi je me suis fait couillonner et je veux plus me faire couillonner par rapport à ça. Donc je vais vous expliquer la démarche à suivre et je vous demanderai vraiment de bien la respecter, hein, pour que tout soit tout bien clair.
Donc, je sélectionnerai les 20-25 premiers mails qui seront donc l'objet de la première vidéo. Quand j'aurai répondu à ces 20-25 premières questions, hop, je les classe. Je prendrai ensuite les 20-25 mails suivants, chronologiquement, hein, pour lesquels je répondrai donc du coup dans la prochaine vidéo, dans la vidéo suivante. Pareil, hop, je les classe, etc., etc. Donc, si vous êtes le 150e à m'avoir envoyé un mail, eh ben, ne vous étonnez pas si votre réponse ne sera pas dans la vidéo suivante, enfin dans la prochaine vidéo, parce que ben, j'aurai déjà traité les premiers mails, vous voyez ce que je veux dire. Donc essayez d'être compréhensif, je pense quand même que vous pouvez être compréhensif. Hein. Comme je vous l'ai aussi dit hier sur la vidéo des énergies, on va faire un test et je propose de le faire tous les samedis soirs sur un mois. Je vais voir si je peux tenir le rythme, je vais voir si ça me fatigue pas trop, si ça me voilà, si ça me convient. Si ça me convient, on gardera le format de le faire tous les samedis soirs tout le temps. Voilà. Et si je vois que ça me fatigue trop, eh bien ce qu'on fera, on sautera sur un samedi sur deux et on fera du coup deux fois par mois. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'il y avait deux versions aussi. Il y avait une version radio-œil pour ceux qui sont juste abonnés à la chaîne et il y aura une version radio-œil plus spécifique pour ceux qui ont souscrit à la chaîne. Donc, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre la chaîne qui vous donne droit à certains avantages, entre autres à des vidéos privatives, à des informations que je ne divulgue pas forcément en public, etc., etc., mais aussi à des lives. Et ces lives, en fait, pour ceux qui ont pris l'abonnement, vous n'aurez pas besoin de régler 3€ votre question puisque je vous ai prévu de vous faire des lives voyance qui, eux, par contre, seront en direct. Ce ne sera pas des vidéos, hein, ce seront vraiment des lives, des directs dans lesquels vous pourrez me poser directement vos questions et auxquelles je répondrai. Voilà. Et ça, c'est un service qui sera gratuit pour ceux qui ont rejoint la chaîne. Hein. Vous avez là le bouton abonner, s'abonner et le bouton rejoindre. Voilà. Donc, ceux qui ont juste cliqué sur abonner, vous avez le service radio-œil classique avec les 3€, etc. Et pour ceux qui ont rejoint la chaîne, vous n'aurez pas besoin ni de m'envoyer un mail ni de m'envoyer les 3€ puisque le service sera gratuit et que votre question, vous pourrez directement la poser en live. Ok ? Voilà. Donc, je vous explique un petit peu la démarche à suivre. Dans votre mail que vous m'enverrez pour me poser votre question, vous me donnez bien votre pseudo, que je puisse le citer pour que vous puissiez vous reconnaître en vidéo. Vous me mettez bien le sujet de votre question, Attention, s'il vous plaît, ne m'écrivez pas des pavés. Hein. Essayez d'être clair dans votre question. À la rigueur, que vous me donniez quelques infos. Personnellement, j'ai pas besoin ni de la date de naissance, etc., ni votre signe astrologique, ascendant, je sais pas quoi, dans le signe, dans la constellation, dans l'astrologie chinoise, dans je sais pas quoi, votre dernière réincarnation. Non, je veux rien. Je veux juste votre pseudo et votre question. Après, si vous voulez me fournir quelques éléments, par exemple, je sais pas, moi, vous m'expliquez rapidement, hein, de façon très très succincte votre situation, que vous êtes c'est un petit peu compliqué, machin et tout. Voilà, vous me résumez en quelques lignes et vous me mettez surtout votre question à laquelle je dois répondre. Une question, si possible, qui soit ouverte. Hein, parce que les questions fermées en fait, c'est de répondre par oui ou par non. Et malheureusement, ça donne très peu de pouvoir d'interprétation, d'accord ? Donc, essayez de me faire une réponse, une question qui soit ouverte. Par exemple, que va-t-il m'arriver si je poursuis sur cette voie ? Comment va se dérouler l'entretien d'embauche que je vais passer, vous voyez, mais pas est-ce que je vais avoir le poste, parce que je pourrais vous y répondre, mais n'oubliez pas aussi quelque chose, c'est que le temps, quand je vais vous y répondre, c'est à l'instant T. C'est-à-dire que si je vous prédis une promotion pour la semaine prochaine, mais que vous, sur un coup de tête, vous donnez votre démission, bah concrètement, la promotion qui vous était destinée, que je vous avais annoncée, bah, elle vous arrivera pas, puisque vous venez de démissionner, vous voyez. Donc, n'oubliez pas qu'il y a le libre arbitre, que le temps n'est pas figé et que les réponses que je vous ferai seront à l'instant T. D'accord ? Donc ça, n'oubliez jamais. Ok ? Et donc, comme je vous disais, dans la procédure du mail, vous mettez bien votre pseudo, votre question et surtout, je veux aussi le numéro de transaction PayPal. Soit vous me faites une capture d'écran pour preuve que vous avez bien réglé votre question, soit vous me faites
vous me donnez le numéro de transaction, parce que très souvent sur PayPal, les adresses mail que vous utilisez peuvent être différentes de votre prénom, de votre nom de famille. Donc c'est compliqué après de courir pour savoir, là, attends, là j'ai 3 euros de Lalicorne 43. Ok, elle me donne pas d'informations. Moi je sais pas qui c'est Lalicorne 43, hein, très concrètement. Et si vous me dites oui, j'ai payé sur PayPal, d'accord, mais si vous êtes 30 à m'avoir réglé sur PayPal et que vous me dites juste, je t'ai réglé sur PayPal, d'accord, alors je suis peut-être un bon voyant, mais faut peut-être pas exagérer, hein. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est toi Licorne 43, non, je sais pas. Donc voilà, me précisez bien, soit vous me faites une capture d'écran, c'est carrément mieux, au moins je sais, il y a les coordonnées, je sais à qui ça correspond, c'est même le plus pratique. Mais voilà, pourquoi je suis assez rigide sur ça, je vous explique, parce que Radiohead, je m'étais fait couillonner et c'est aussi pour ça que j'avais arrêté, parce qu'il y avait des personnes qui m'avaient dit qu'elles avaient réglé la question, et puis en fin de compte, quand je faisais moi après le calcul, je voyais bien que j'avais répondu à beaucoup plus de questions que en fait j'en avais eu sur PayPal. Bref, il y a des gens malhonnêtes de partout, hein. il y a des charlatans, mais il y a aussi des clients qui sont malhonnêtes. Donc voilà, donc c'est pour ça que je veux pas me lancer dans ce truc là. C'est vraiment un service que je veux vous offrir, que je veux vous proposer, quelque chose, voilà, qui soit sympathique. Donc voilà, je demande à ce que tout le monde soit réglo de chaque côté, et j'ai déjà suffisamment de travail entre les vidéos, le déménagement et tout ce que j'ai à gérer. Si en plus je dois consacrer du temps et de l'énergie à des personnes qui en fait sont juste intéressées par une question mais qui n'ont rien respecté, qui n'ont rien fait de tout ce que j'ai demandé, et qui en plus c'est pire que ça, parce qu'une personne qui va être malhonnête, qui va dire oui alors moi j'ai, mais si moi j'ai payé, hein, mais qui me fournit aucune preuve qu'elle n'a payé, du coup je lui fais passer sa question en priorité, alors que quelqu'un qui aurait vraiment payé sa question, et ben lui va être puni parce qu'il va attendre par exemple la vidéo suivante, alors que sa place il aurait pu l'avoir avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je demande à ce que tout le monde fasse preuve de bienveillance, de civisme et de respect. Voilà. Donc les amis, comme d'habitude, à côté du titre, vous avez le petit plus ou la petite flèche, vous cliquez dessus, ça vous donne accès à la liste déroulante dans laquelle vous trouverez l'adresse mail. Donc je vous la rappelle, c'est radioeil, R-A-D-I-O-E-I-L, point question, pas au pluriel, question au singulier, @gmail.com, et vous trouverez donc cette adresse mail dans la barre de description, et le lien vers PayPal pour régler votre question qui est de 3 euros. Je le dis, je le redis, pour ceux qui ont rejoint la chaîne, hein, qui ont pris l'abonnement, vous ne le faites pas pour vous, ce sera gratuit, il y aura un live, hein, un live voyance qui vous sera dédié, et pareil, ça sera un autre jour, je pense du coup certainement le dimanche soir pour vous, et puis voilà. Donc je crois n'avoir rien omis, je crois vous avoir donné toutes les informations, je pense avoir été suffisamment clair. Donc je vous le rappelle en tout premier lieu, bah tiens, on va se le faire comme ça, regardez comment on va se le faire, regardez bien. Donc en premier point, ici vous m'envoyez un mail à l'adresse mail, ok. Deuxième point, vous réglez sur PayPal les 3 euros. Troisième point, dans votre mail, vous me mettez le pseudo avec votre question et la preuve de votre règlement sur PayPal. Voilà, aussi simplement, hein, franchement. Vous avez vu comme c'était clair? Vous avez vu comme je me professionnalise un petit peu? Bon, allez, sur ça les amis, maintenant vous avez toutes les informations. Sachez que si j'ai des questions là qui tombent jusqu'à... quel jour on est là? On est quel jour les amis? On est vendredi. Si jamais j'avais des questions, plusieurs questions qui tombaient jusqu'à demain, il est probable du coup que la première vidéo, je vous la fasse demain, d'accord, hein. Si je vois que j'ai déjà une quinzaine de questions, 15-20 questions, j'ai largement de quoi vous faire une vidéo qui paraîtra déjà demain, d'accord. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je sens que je vais avoir 200 mails qui vont tomber dans la soirée, je le sens le truc. Mais voilà, sachez-le qu'il n'est pas impossible que donc demain soir vous ayez déjà votre première vidéo de Radiohead, puisque si j'ai matière à vous répondre, je vous ferai donc la première vidéo qui sera demain soir, donc en date du samedi 11 septembre 2021. Voilà donc mes chers amis.
Allez, maintenant vous avez tout entre les mains. Sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous. Petit rappel, j'en profite, hein, je fais un petit placement comme ça. N'oubliez pas que ce soir à 20h30, je serai en live sur la chaîne de Angel Durand Medium. Pareil, je vous mettrai le lien si vous voulez en description. Je serai en live à 20h30 pour travailler sur un fait divers avec elle et Coralie qui est numérologue, où on va travailler sur l'affaire de Xavier de Ligonnès. Pareil, je vous en ai parlé aussi dans la vidéo de hier sur les énergies de la journée. Donc n'oubliez pas, si vous voulez me retrouver, si vous voulez voir ma petite tronche comme ça ce soir en live à 20h30, c'est sur la chaîne d'Angel Durand Medium, d'accord? C'est pas sur ma chaîne à moi, ça sera sur la chaîne de Angel. Donc il faudra aller sur la chaîne d'Angel pour voir ma tronche. Voilà. Allez, sur ce les amis, pour ceux que je retrouve ce soir, eh bien je vous dis à ce soir. Et puis pour ceux que je retrouve dans de prochaines vidéos, gros bisous à tous et prenez soin de vous.